rondelle, contourne le filet de Jarvis Wheeler, aux prises avec Gauthier Leduc qui s'en éloigne, veut y aller du wraparound, il lance et compte! Et par la suite de Jacob Jarvis Wheeler pour ouvrir la marque. En territoire du Dragon, passe devant et donne le lance et compte! Sur la remise d'Alexandre Mallette après Beauvillier, ce qui lui permet de remettre le bâton sur la rondelle. Ça passe à McAnum, son lancé dévié à Beauvillier. La Gauthier Leduc va se lancer. Oh mon Dieu, quel cadeau à Martin! Appleby, on l'a... Bonheur, Lepage tente de conserver à l'intérieur, n'y parvient pas. Soulek qui va tenter d'en profiter, mais on est à 2 contre 3. Soulek qui déjoue l'adversaire et Hawk lance et compte! Scott Hawk! Gaëch remettre derrière le but adverse, ça échappe à Tanguy. Rondelle bondissante, Mallette s'en empare, il va décocher un tir qui dévie le but! Marqué, je crois, par Alexandre Tanguy qui a fait dévier, c'est-à-dire le point de la patinoire. Et là, ben, belle passe de Leblanc, Rose s'approche à... Et le but qui est marqué par La Marche. Très beau Je jeu. Pensais que La Marche avait hésité trop longtemps, Martin, que... Dès la reprise, Belzile, et le but qui est marqué par Jérôme Gauthier-Leduc. Oh, quelle passe de Belzile. A été le premier défenseur cette saison à réussir un tour de chapeau. Pour l'OCLX. Oh. Et là, le but qui est marqué sur le retour de la bande par Alexandre Mallette. Chanceux, ce PVP, la voix qui... Ça devrait être prudent, la voix. Ne lâche pas, oui, c'est ça. Faire attention. Boutette intercepte, mais malheureusement pour lui, ça passe des vies. Là, ben, le but facile marqué par David Rose sur le bâton de défenseur. Franca libère le disque à Mathieu qui va tirer l'arrêt de Appleby qui donne un retour. Et Jonathan Lavoie lance et compte et prolonge à 5. Sa série de matchs contre gardien, le rebond de la clôture a passé à l'essor à 3 contre 1. Gélinas qui va tirer au but de marque. On n'a pas vu du match.